Bienvenue sur Congo Liberty. L'heure est grave, nous sommes un week-end, un dimanche, et nous sommes en face du jeune combattant Harold Jeune Maître qui, si les Congolais ne se mobilisent pas, va terminer en prison dans quelques jours. Alors on va rapidement vous situer la situation après que Harold Jeune Maître se présente. Alors, bonjour. Bonjour Monsieur Mingwa. Alors je suis Harold Jeune Maître. Je suis Harold Jeune Maître du collectif Ça suffit, jeune activiste résistant qui se bat pour la libération de mon pays. Voilà. Alors, donc, Harold Jeune Maître fait partie du groupe Ça suffit, dirigé par André Angombé. Vous avez aussi Gaylord Poibou. Mais ce qui nous emmène aujourd'hui, c'est que Gaylord Jeune Maître est de tous les combats de la diaspora. Aujourd'hui, comme vous le savez, il a été parmi les combattants qui ont attaqué clairement l'ambassade du Congo à Paris parce qu'il y a eu une modification de la constitution au Congo. Il a été aussi à Rouen pour manifester vigoureusement contre le bien mal acquis de Monsieur Thierry Mongala. Et puis, il a été dernièrement parmi ceux qui ont manifesté contre le concert de Monsieur Roga Roga le 23 mai à Paris, Montreuil. Et il est poursuivi aujourd'hui, il va nous en dire un peu plus. Il y a un procès qui est prévu le 23 mai et on le fait venir sur Congo Liberty. On le fait venir sur Congo Liberty pour parler de toutes ces affaires-là, mais surtout pour faire un appel aux dons pour que les Congolais soutiennent toutes les procédures judiciaires auxquelles il doit faire face. Et comme je vous l'ai dit, il est probable la semaine prochaine, suite à l'audience du 23 octobre, puisqu'il est en sursis, qu'il se retrouve en prison. Monsieur Harold, rapidement, est-ce que vous pouvez, et je pense qu'il est quand même mieux qu'on parle en congolais, hein, Toloba Monokwamboka, Toloba Lingala, pour Toza Banamboka, Toza Namonokonabisope. Bon, Yebisabiso, Lelo, Pona le 23 octobre, Ndengeni ni Makambo, Izokende. Alors, pona le 23 octobre, je pense que binomoko boyebi tozo bundela pona ekolo na biso. Donc tozo bengaka ka mobilisation. Mobilisation parce que les lois congolais il faut se rendre compte que mbokeza bienté. Et puis pona le 23 vraiment, on appelle à la mobilisation de tous les congolais de la diaspora. Parce que eza elo komoko ezo concerné kakangate. Na kokaki ko vana na parce que qui déjà n'a sursis, mais si je me suis levé, ils allaient qui pour na bino, pour na biso, pour na école na biso. Aujourd'hui vraiment, j'appelle à la mobilisation parce que ils ont affaire mon corps très compliqué. Et puis nazana avocat, donc je, vraiment j'insiste pour ceux au bakoki qui ont contribué et qu'ils allaient vraiment efficace pour pouvoir affronter justice française et puis pour na kosunga moi avocat ou ba kolandela affaire il y a le 23 octobre. Donc vraiment na bengi kaka la mobilisation vraiment ceux qui koki kozala wana, ça sera un grand plaisir pour le combat et puis pour toute la diaspora. Alors donc na poto limbola makambo Harold Daza na ba sursi e belé pour tango makambo za la kawa na Paris ba congolais balinga kamingi ba réseaux sociaux. Tango yaba manifestation, bato mingi ba mona nakate. Donc azalaki déjà na sursis, mais lokola makambo mboka elekeli biso, il fallait azonga pour alakisa que Paris ne tombera pas. Donc lelo tozana posa ya mbongo pour il faut afuta ba avocat na ye. Donc bozala les États-Unis, bozala na Brazza, bozala na Dakar, bozala na Bruxelles. Pour la Kotinda Mbongo, tous abisso na association, association citoyenne de solidarité du Congo Brazzaville, toko lekisa donc ba adresse na biso, compte bancaire toko tia na internet pour ba oyo balingi ko tinda Mbongo na la compte bancaire ba tinda toko tia pe ba numéro à téléphone, oyo alingi ko tinda Western Union a tindi pour les lotos à la kamingi. Ba mokoko bazana kacho ba kombi bazana kacho to sala ndenge nini lelo na Paris a batopé ba kokiko kende na ba kacho. Donc Harold
botia ma boko ezate toyeba kite o yazana 10 euros o yazana 10 dollars tokotia banzela nyoso ndandenge boko ikotinda bambongo ango bon erol yebisa biso makambo ya ambassade ozape na ba procédure ango eza ndenge nini makambo ba tiri mongala limbola makambo ango ba congolais bayuka po ba tiri maboko. Alors, ce qui est bien, tout ça, dans le pays, mon corps, il y a liberté. Et puis, ma cambouatiri, mon gala, normalement, ça a été clôturé. Et ça qui sont suite parce que mon gala, il y a un peu de bundela et colonne abisso. Alors, suite aux ala, ma cambouatiri, il y a ambassade. Normalement, bah, pessi clôture. Donc, tout ça, c'est la caca décision, il y a juge pour que tout qui est devant Bango, Bassamba Bisso, pour que tu aies liberté dans Bisso. Donc, on a fait une mobilisation parce que on a les alliés parce que tout en a un avocat. Donc, vu que pour le moment, tout ça en sursis, tout signé que chaque semaine, donc, tout ça bien appelé à la mobilisation. Vraiment, ceux qui sont beaucoup plus de Konabino, jeunes Abino, frères combattants, et que ça vraiment les sont comme à l'âme. Donc on appelle à la mobilisation. Neti ndekonabiso chukoloba to pesibino bas adresse nyoso tout. Donc vraiment toujours bengaka à la mobilisation et puis voilà. OK. Donc bah na ndenge rôle la lobby azana contrôle judiciaire donc ezalaka mikolo o il faut akende na commissariat de police pour a signaler bango que azana no na mboka na biso awa na poto donc ba congolais il faut baye ba que mbongo oyo ba ko pesa po na ba procédure judiciaire po na ko futa ba avocat ya ba congolais bazo sala mosala pe makasi bazo singa ebelete mais baza pe na mosala na bango donc il faut bo pesa moi maboko po makambo ebele eza ya ko sala donc papa Hérold, Totondi, tu as dit que aux appels na famille, ils a passé. Ma congolais, il faut baye ba que ma kambo yo ils a ma kambo minene. Ils a te ah lobby anga na okenda mboka na kena manifestation. Donc biso pe to zana posa ya ko kende mboka metoso se sacrifier. Mbonge zangi biso te to kende mboka meto lobby lelo, il faut to bunda pour tango to kozonga na mboka na biso. Hein? Et comme moi bien, toko tambola na ndenge to lingi. Donc, papa Hérold to tondi, toko loba mingite, eza les sous makambo ya koloba mingite. Et comme makambo, ya kotia moi mpata, o ya kozwa 10 euros, o ya kozwa 10 dollars, o ya kozwa 100 dollars pe, atinda ba mbongo na bino, toko li ya ngote, toko tia ba compte, eza ba compte ya ba association. Totondi ce qui osa na liloba ya suka ou loba po ba congolais bayuka. Alors liloba nanga suka ezali que peuple congolais soyez toujours éveillé bo bangate tous ala toujours résistant parce que ce qui résistant c'est até moyen peu kozalaté. On est à la recherche de la paix. Donc suite binomoko boyebi celui qui veut la paix suite kozalanine. Donc bo bangate vraiment bozala kaka mobile vraiment l'ilobananga esuka ezani vraiment toujours courage surtout à ceux qui sont en prison on pense à vous et puis la victoire viendra. Merci jeune maître Hérold le combattant à Paris. Merci. Salut. Zéro. Chers compatriotes congolais, comme vous le savez, on vient de faire une émission, en tout cas deux émissions avec deux éminents congolais qui nous ont exposé principalement les suites judiciaires qu'affronte M. Hérold Gambia, jeune maître, comme nous l'appelons, nous les intimes. Alors, ce que nous demandons aux Congolais, ce n'est pas de venir forcément participer avec nous, en tout cas participer aux manifestations qui se font sur la place de Paris. Nous comprenons que tout le monde ne peut pas s'exposer, mais aujourd'hui, si j'interviens moi après une interview, c'est pour vous dire que l'heure est grave. Nous avons notre jeune maître Hérold qui a déjà fait de la prison suite à l'attaque Beulier de l'ambassade. Donc il était en sursis, il y a eu une manifestation puisque beaucoup de Congolais ne se mobilisent pas, en tout cas ne viennent pas dans des manifestations. Finalement ce sont les mêmes qui viennent tout le temps. Et
le jeune frère Hérold a été confronté de nouveau à la police dans une manifestation, en tout cas celle qui a eu lieu avant le concert musical du musicien Roga Roga. Et aujourd'hui, il fait face à une situation judiciaire qui demande qu'on l'aide financièrement. Donc, très chers Congolais, veuillez, s'il vous plaît, participer à cet appel au don qui est fait. Sinon, tout notre amour que nous crions sur les réseaux sociaux pour le pays risque d'être vain, parce qu'aujourd'hui, point de discours, il faut participer financièrement. Vous pouvez contacter Congo Liberty, vous avez mon adresse mail, moi, Mingwa Biongo. Nous avons une association, l'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville, qui est présidée par M. Mwanda Moussoki, donc association qui fait plusieurs actes. Hein. On a eu à faire la campagne pour des kits scolaires dans la région du Poul, et on a aidé plusieurs combattants dans leur procédure financière, et des Congolais qui ont été confrontés, même si nous ne faisons pas beaucoup de bruit sur toutes les aides que nous effectuons. Donc s'il vous plaît, veuillez participer à cette campagne que nous lançons, donc un appel aux dons pour soutenir financièrement le jeune Hérold Gambia pour le paiement de ses honoraires judiciaires, et vous aurez toutes les informations sur Congo Liberty. Je vous remercie.